Bonjour à tous, je vous présente ici l'arrière d'une multiprise que je vais vous présenter plus en détail. Je vous la montre de ce côté-ci parce qu'elle a quand même une particularité par rapport aux autres. Déjà, vous voyez que vous pouvez tout à fait la suspendre si vous le souhaitez. Il suffit de mettre des vis au bon emplacement, prenez vos marques et vous pouvez l'accrocher à un mur, à une plinthe. Ça, c'est déjà un premier point fort. Secondement, vous voyez le câble de qualité, un support jusqu'à 16 ampères. Il fait plus de 2 mètres de long. Et de l'autre côté, la surprise est ici. Vous avez déjà 3 ports USB qui peuvent supporter, quand utilisés seuls, jusqu'à 12 watts, 2,4 ampères. Mais si vous en utilisez plusieurs simultanément, la charge totale sur les 3 ports ne peut pas excéder 3,4 ampères. D'accord ? Donc 2,4 ampères sur un seul, si vous l'utilisez de façon unitaire, avec donc 12 watts sous 5 volts, sinon 3,4 ampères au total. Ensuite, vous avez donc les 6 plots avec terre, bien entendu, chacun équipé, et c'est là la particularité, de leur interrupteur individuel, tout comme les prises USB. Si vous voulez alimenter USB et la troisième prise ici, vous appuyez dessus, vous avez un petit voyant qui vous indique que cette prise est sous tension, celle-ci ne l'est pas, celle-ci non plus. Les ports USB sont sous tension. Si vous les coupez, tout simplement, vous pouvez le faire de façon totalement individuelle. Ça, c'est vraiment un point fort. Les contacteurs me semblent de bonne qualité. C'est net, précis, en tout cas à la mise en route et à l'arrêt. Que dire d'autre? Ah oui, alors ces dimensions, donc je les ai mesurées. Elle fait, que je ne vous dise pas de bêtises, je reprends mes notes. En longueur, 36 cm. La largeur, qui est plus importante qu'une prise normale, du fait des interrupteurs, fait 7 cm pour une épaisseur de 4 cm. Donc pas beaucoup plus encombrante en dehors de cette demande. Elle est protégée contre les surtensions, a priori par à foudre, donc je suppose qu'il doit y avoir un fusible dedans, et puis contre la surchauffe également. Donc voilà, ça me semble être un très beau produit. En tout cas, la finition est impeccable. Hein. Rien à redire, et encore une fois, des contacteurs très nets au déclenchement. Effectivement, ça pilote totalement de façon individuelle chacune des prises.